Tout bon, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Comment faire une mini perruque en crochet? Oui mes chéris. Alors comme d'habitude, je vais utiliser ma capuche en bonnet et à l'aide de mes épingletés, je vais bien le tirer pour ne pas me retrouver après avec une petite perruque une fois terminé. Une fois mon bonnet bien en place, je vais prendre ma dentelle suisse, je vais placer sur mon bonnet et je vais le découper sous forme de frontale parce que la perruque sera avec une frontale. Une fois la couture terminée, je vais prendre ma paire de ciseaux et découper le bonnet qui se trouve en dessous de ma dentelle suisse. Attention, il ne faut pas découper le bonnet trop près de la couture. Je vais utiliser mon crochet à mini bout pour réaliser ma perruque du début jusqu'à la fin. Ma mèche, je l'ai coupée en 6 parties égales. Une fois coupée, j'ai tiré ma mèche et j'ai mis de la pommade dessus. Ma mèche, je la mets bien en place sur mon doigt. Voilà. Je prends mon crochet. J'ouvre le crochet. Je fais entrer le bout de ma dentelle suisse. Je reviens récupérer ma mèche sélectionnée. Je ressors avec mon crochet fermé. Et je reviens encore au-dessus de ma dentelle suisse pour récupérer encore la même mèche. Juste pour faire mon nœud. J'espère que vous avez compris l'explication et que vous voyez la manière dont ils sont en train de procéder. Oh, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout.
Allez, ma dentelle suisse pleine. On y va pour l'arrière. C'est toujours le même processus, mais sauf que là, la portion de mèche est plus grosse que celle de la dentelle suisse. Mais sinon, c'est toujours le même processus. Mon crochet est terminé, alors je vais couper juste un peu le bas de ma perruque. Mais si vous voulez laisser votre perruque comme ça, laissez, c'est très joli même. J'ai aimé, mais je voulais faire un genre de coupe. Donc je vais tailler juste un peu le bas. Une fois taillé, je vais mettre de l'huile Mélissa sur ma perruque. Je vais bien mettre de l'huile Mélissa sur ma perruque avant de la plonger dans de l'eau chaude. Et n'oubliez pas le vinaigre. Hein. Avant de la plonger dans de l'eau chaude. Une fois mis dans de l'eau chaude, séché un peu seulement, je vais faire un petit brushing, pas trop, hein. Le fer même là, je vais pas mettre. Je vais seulement faire un petit brushing, juste un peu.
Voilà ma perruque. Elle n'est pas mal, hein, j'espère. En tout cas, si vous avez aimé là, faut laisser tout en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, de laisser toutes vos questions en commentaire. Bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.